Bonjour tout le monde, c'est Scoyat. Salut, c'est Giorgio. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo informative. Donc plein d'informations à vous donner. En premier lieu, on vous touche un tout petit mot sur le fait qu'on avait dit qu'on vous ferait des petites vidéos un peu en bonus cet été. On en a sorti... On avait dit ça, nous. Oui. Ah bon. On avait sorti une, en plus on l'a sortie en septembre, donc bon... Bon, c'est pas grave, de toute façon, voilà, chaque été, c'est la pause, on s'autorise d'essayer de vous sortir éventuellement des vidéos, mais aucune obligation à ce niveau-là, on s'impose de rien. C'est un atelier un peu, voilà. C'est vrai qu'on pensait avoir des petites choses ici et là qu'on pourrait publier un peu en surprise dans l'été, et puis finalement, voilà. Non trop. Voilà, c'était un petit rapide mot sur ce point-là. Un aparté. Le premier vrai truc à dire, et plus exactement à redire, pour être... Bien sûr que tout le monde soit au courant. Donc il y a le groupe Les Tablierons qui a créé sa propre chaîne. Si vous n'étiez pas déjà au courant, bah, allez vite regarder cette chaîne qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps. Donc il y a déjà quelques vidéos dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il y a deux formats qui migrent sur cette chaîne. Il y a le bar à review et la face cachée des parcs. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que Les Tablierons nous quitte. Les Tablierons sont toujours membres des Cinematic Fools, donc... On ne quitte pas comme ça. Voilà. Donc il y aura toujours des vidéos avec Les Tablierons, des vidéos des Tablierons sur notre chaîne. Simplement, voilà, ces deux formats-là changent de chaîne. Mais notamment, on va continuer à beaucoup collaborer avec elles, principalement sur les fictions. Sur des fictions, voilà. Toutes les fictions qu'elles feront... soit qu'entre elles, soit avec nous, ça sera sur la chaîne des Cinematic Fools. Voilà. Et leur participation aux différents formats que nous, on garde. Et principalement à notre nouveau format, tout nouveau. Voilà. Nouveau. Un élément important par rapport au fait que ces formats migrent, c'est que le bar review, c'était un format qui tombait une fois par mois. Du coup, on a décidé de choisir un nouveau format pour... se caler sur ce créneau-là. C'est un format qui va s'appeler la joute critique, où le principe, c'est deux membres de notre groupe qui s'affrontent en quelque sorte, en toute cordialité, sur un film où le désaccord est important, assez large, voire complet. Battle de critique. Voilà, d'où le nom joute critique. L'idée, c'est que ce soit plutôt deux personnes a priori. Peut-être des doubles une fois ou deux. Peut-être qu'il y aura plus de monde sur... je sais pas s'il y a un film où il y a vraiment deux camps qui se dégagent. Ouais. Bon, on verra. Mais de base, c'est deux personnes. Et comme on est un peu tout un groupe, c'est plus ou moins les mêmes personnes qu'on voit régulièrement. Mais il y a aussi d'autres membres qui se montrent un peu moins, mais qui sont présents, qui sont importants. Qui travaillent dans l'ombre. Voilà. Vous verrez peut-être. Ça pourra éventuellement être l'occasion que vous voyez un peu plus de monde du coup avec ce format, mm-hmm. puisque l'idée c'est qu'on brasse un petit peu, que ce soit pas tout le temps les deux mêmes qui s'affrontent. Et justement, les filles d'établiront viendront de temps en temps aussi. Notamment, c'est déjà prévu que il y ait une ou plusieurs joutes critiques cette saison avec des membres d'établissement. Du coup, ce format-là, donc, on en a déjà tourné plusieurs, donc on n'a pas d'inquiétude sur le fait de réussir à en sortir un par mois. Tout en sachant qu'il ne s'attachera pas à une sortie récente non. ou autre, hein, c'est possible aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On s'intéresse à des films passés... pas si lointain non plus. Hein, ça peut être un peu tout, ça peut être du vieux, du moins vieux, du... On a tourné une déjà, le film est sorti en 2016, donc c'est quand même assez récent. Il y a des films qui sont plus vieux que ça, enfin bref. On a de l'adaptation de BD, il y a de tout. On a du film de culte, il y a un peu de tout. Il faut qu'il y ait deux membres qui soient en désaccord important sur le film. Voilà. Par ailleurs, avec ce format-là, on va faire nos premières collaborations avec des chaînes YouTube avec qui on s'entend bien. Oui. On vous dit pas qui pour l'instant, c'est pas forcément des chaînes très très connues, mais enfin voilà, non, vous pas, verrez bien. Non, on n'a pas encore le Fossoyeur, Panda ou Durandal. Ça, c'est... Bientôt, peut-être. Durandal, Fossoyeur, Panda, coucou, on est là. Bref, hein, voilà, c'est des petites collabs qu'on a fait avec des amis, tout simplement, qui ont leur propre chaîne. On a des amis qui ont des petites chaînes un peu comme nous. Voilà, vous pourrez découvrir ça et éventuellement, vous pourrez peut-être découvrir d'autres chaînes intéressantes. Mais si les gars que j'ai cités nous voient et veulent venir, ils viennent aussi.
Bref. Voilà pour voilà ce pour le nouveau nouveau format. format. Autre nouveau format, on va en parler maintenant, qui va arriver au sein des fictions. Voilà. Donc, au niveau des fictions, c'est vrai qu'on pensait, c'était à la base ce qu'on voulait le plus faire, ouais. Et ce qui nous a fait monter la chaîne YouTube. Donc c'est vrai qu'on est plutôt satisfait des fictions que l'on a fait la saison dernière, mais on aurait voulu en faire un peu plus. Exactement. Voilà, donc là cette année, objectif, on va, minimum. Objectif minimum, refaire au moins autant, voilà. autant de fictions que ce qu'on vous a pu vous proposer l'année dernière. Et là par contre, là où l'année dernière vous avez eu à faire qu'à des courts-métrages, cette année il y aura encore des courts-métrages, dont un très beau qui arrive très bientôt, que vous allez voir qui est vachement bien, mais aussi un nouveau format puisqu'on va avoir une web-série qui va arriver avant les fêtes aussi, voilà. En forme de pastille. Voilà, donc ça c'est le premier sériel sur lequel on travaille et on espère que ça va vous plaire parce qu'en plus ça pourra revenir régulièrement et donc par là même vous donner plus de fiction d'ici la fin Tout de la à fait. saison. Et du coup, on en profite pour vous informer que potentiellement, en termes de fiction, on ne s'impose aucune limite de format. On fait en fonction de nos envies, de nos idées et puis de nos moyens. Donc pour l'instant, comme on débute, on a plutôt fait des courts-métrages vraiment courts pour le coup, c'était pas des trucs très très longs. Mais potentiellement, dans un futur tout à si fait. Loin. Dans un futur tout à fait incertain, vous pourrez on voir. On ne pas la série, le moyen, qui sait le voilà. nom peut-être aussi, voilà. On s'impose aucune limite à ce niveau-là, donc avec donc en prémisse une web série web-série. En format pastille, donc format pastille c'est un format très court, par la suite on verra bien, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà très c'est déjà bien. Bien. Sur la série, on vous donnera des infos bien après la rentrée. Donc ensuite, sur le reste du contenu de la chaîne, il n'y a pas forcément beaucoup de bouleversements. On continuera à vous proposer quelques vlogs. Certains vlogs pas forcément très très travaillés. D'autres, au contraire, bien préparés. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Sinon, on a l'intention de continuer les journaux de bord, donc le format qu'on a lancé au tout début de cet été. Qu'on a fait donc sur le Festival international du film de La Rochelle. Donc on va essayer au minimum de faire un journal de bord chaque année sur donc, le FIFLR, mais on essaiera aussi d'en faire sur d'autres festivals. Et alors du coup, l'information importante à vous donner dans cette vidéo, c'est quelle va être donc la date de rentrée officielle de la chaîne. Ce sera donc attention, le 18 octobre 2017. Presque un an jour pour jour après le lancement de la chaîne, puisqu'on s'était lancé, souvenez-vous, le 19 octobre 2016. Donc on se relancera pour cette saison à quelques heures de nos un an. Voilà, voilà. Tout on à les fait. Fait pas, hein. On fait plus vieux, hein, vous avez vu. Donc on a un an et donc on relance ça le 18 octobre avec une vidéo de présentation pour vous présenter un petit peu cette nouvelle saison. Voilà. À travers une vidéo. Donc. Ne loupez pas du coup cette rentrée. Et en parlant de ne pas louper, eh bien sachez que cette année, on va essayer de beaucoup plus utiliser les réseaux sociaux comme un outil de partage et d'échange. La saison précédente, juste d'information. Voilà. La saison précédente, on s'est un peu contenté de juste dire tel jour, on va sortir une nouvelle vidéo. Et quand elle sortait, hop, voilà, on la vidéo est sortie. On a une utilisation un petit peu passive, entre guillemets, voilà. des réseaux, parce que un peu basique. On s'en servait essentiellement pour vous donner les infos quant aux vidéos qui allaient sortir et les vidéos en elles-mêmes. Mais donc, cette saison, on veut axer sur beaucoup plus de partage voilà. sur la façon dont on travaille, donc ce qui veut dire photos de making-of, voilà, on va jouer un peu avec vous aussi sur les joutes critiques justement, etc. On vous demandera si vous pouvez deviner sur quel film, avec des indices, etc. Voilà. On a envie d'interagir autant que possible avec vous, si du moins ça vous intéresse. Donc voilà, si vous avez envie de pouvoir avoir accès à toutes ces choses, bah, venez jeter un œil sur Facebook et Twitter. On aime bien avoir votre avis, etc. Pour Tout les joutes critiques, on vous proposera éventuellement de nous proposer une sélection de films sur lesquels on pourra éventuellement travailler et avec lesquels les membres de l'asso ont peut-être des divergences et où on pourra
en parler. Donc voilà, on veut vraiment un maximum partager avec vous cette année et cette saison. Donc rejoignez-nous. Voilà. Bref. Et donc, on vous retrouve le 18 octobre voilà. pour la rentrée. Et voilà, d'ici là, rejoignez-nous. Salut. À très bientôt.